Yo les gens, c'est Drag Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout 76. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on va continuer notre petite mission. Donc on continue au niveau de la confrérie de l'acier. Alors comme vous l'avez vu, en ce moment je fais pas trop de vidéos sur Fallout ou quoi que ce soit parce que je préfère le faire en live. Mais le truc c'est qu'en ce moment en live je fais souvent du Fortnite ou du The Crew, mais on va revenir aussi sur Fallout 76. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc c'est parti. Ok. Donc on va aller dans. Il faut sécuriser l'entrée des pillards, l'accueil. Alors voyons voir. En espérant qu'on se fasse pas trop accueillir trop violemment. Donc c'est parti pour cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, la petite cloche aussi pour savoir ce que je fais. Demain pas de live parce que voilà, c'est un samedi sur deux comme vous le savez. Donc voilà. Bah oui, il y a du matériel de la confrérie là. Alors, là, il y a les molos. Il y en a qu'un. Et il est tout seul le gars? Bah fait peur lui le couillon là. Je répète, votre coopération garantira votre sécurité. Est-ce que c'est un abri là? Pas que je m'attende. Il y a un abri là. Ah bah tiens. Ah, c'est peut-être un des abris qui était planqué. C'est pour ça que j'ai pas pu lui tirer dessus, il fallait lui causer. Ouais, ils ont rien sur eux. Du papier toilette. Hop. Oula, grenade. On prend tout.
16 ans. Une minute. Si je comprends bien, vous débarquez ici dans le but de revendiquer votre propriété pour au final me dire que vous savez pas d'où vient tout ça. C'est presque trop beau pour être vrai. Je savais que mon ressenti à propos de la confrérie était justifié. Continuez à le renforcer. Le truc, c'est que je discute pas des affaires de pillards sur le territoire de la confrérie. C'est bien là qu'on se trouve, non? Si vous voulez vraiment en savoir plus, vous me laissez partir. Et on en reparle dans le cratère. J'ai l'habitude de traiter avec des gens civilisés. Pas avec une bande de fascistes qui me braquent avec leurs armes. Alors, moi, si je peux le laisser partir, je vais le laisser partir, parce que clairement... Vous m'avez touché, chevalier. En plein cœur, clair et forfait, vous pouvez plus me toucher. J'en ai assez. Partez et ne revenez pas. Et laissez-moi être clair. Il n'existe aucune loi protégeant les enfants. Merci du conseil. Merci du conseil. Je l'ajouterai à ma collection. C'est vraiment un abri? Ah bah oui, Lyon. Bah oui. Drôle d'abri quand même. Drôle d'abri. Oh. Nous avons rempli la première partie de notre mission. Le comportement était digne de la confrérie. Nous ne faisons pas de compromis, encore moins avec les pillards. Il est clair. Continue. Il faut encore localiser la source des armes. Je dirais que cet homme sait quelque chose. Faites-le parler par tous les moyens nécessaires. C'est votre priorité. Alors bon. Hop. Bon, c'était assez facile. Je pensais que ça serait un peu plus difficile, mais apparemment, vu que la confrérie de l'acier s'est pointée comme de bons toutous. Fallait où là? J'ai presque plus de munitions dans tout. Moi. Alors faut que j'aille où? Je suis où? Alors je suis là. Je suis là. Il faut que j'aille là. Super. Et au cratère, direction le cratère. Ça va, c'est une zone qui n'utilise pas de crédit. Avant, ils utilisaient. Maintenant, on peut se téléporter là-bas parce que c'était le satellite à l'époque. Mais
ils ont changé ça cratère en satellite, le satellite en cratère, et ils ont fait une petite zone plutôt sympa. Alors là, on est au satellite. Dire qu'avant il n'y avait rien là. Il n'y avait que dalle. À l'époque, il y avait. Ça, ils y étaient pas. Ça, les chips étaient pas. Ils ont vraiment rajouté pas mal de choses. C'est vrai que j'y étais pas venu depuis un moment et c'est vrai que... Hop, on recycle le bric-à-brac, on range. On passe par où là? Putain, mais ils ont vraiment. Ça faisait un moment que j'étais pas venu, ils ont vraiment tout fermé en fait. C'est des portes d'abri, ça. Ah, ils ont bien. Il y a certaines choses qui ont été bien faites et puis d'autres qu'ils auraient pu faire autrement quand même. Les gens dépendent de moi ici, dans le cratère. J'étais pas certain de les revoir un jour. Je les ai donc fait passer en priorité, en quelque sorte. Rentrer chez moi et retrouver les miens était plus important que d'être parfaitement sincère avec quelques tyrans lourdement armés. Donc, si tu cherches de l'aide pour ton petit problème d'armes... Je crois pas que t'es trop borné, Pierce. On a un bon petit soldat de la confrérie à disposition. Il pourra s'en servir. On en a déjà parlé. Compromis avec les membres de la confrérie. Donne-leur une main, ils te prendront. On n'est pas encore sûr de ça. Chacun a ses propres motivations. Notre visiteur en a peut-être une qui mérite d'être évoquée. Hors de question. Je me baserai pas sur une trahison pour les éliminer. Tu devrais le savoir. Ah, ah, ah. Je n'ai rien à rajouter. Je t'ai répondu, conscrit. Maintenant, pour ton intégrité personnelle, je te conseillerais de guère pire. Attention à Pierce, il est borné trop à sa morale. Je te donnerai toutes les infos concernant les armes, mais tu vas devoir me rendre un service en retour. Ça t'intéresse? J'ai besoin d'infos concernant la confrérie. Des rapports, des listes, des lettres. Vous avez des gars qui sont spécialisés dans ce genre de boulot, non? Transfère tes données dans cette holobande et rapporte-la moi. Après, je te dirai tout ce que tu veux savoir.
t'inquiète pas. Si la confrérie est aussi puissante qu'elle le prétend, ça ne devrait pas changer grand-chose. Hein? Ok, là, ça finit tout bouche. Si tu veux pas de mes informations, c'est toi qui vois. D'après ce que j'ai entendu de ton chef, j'ai l'impression qu'il serait pas content, non? Oh là là! J'aime bien me faire gabager comme des couillons, hein, ceux-là. À gauche, à droite, au milieu, à droite, au milieu, à droite, à gauche, à droite. Oh, ça suffit, j'en ai marre! Aïe aïe aïe. Un peu d'action, ça vous dérangerait là? Ça fait 16 minutes de vidéo, on n'a rien eu, on s'endort! C'est pour ça que je préfère faire ça en live, c'est mieux. Ah oui. Ça a l'air un peu cucu quand même. Hein. C'est pas comme à l'époque où la confrérie de l'acier se battait vraiment pour quelque chose. Là maintenant, au 300 déjà, les bots sont arrivés vraiment un peu tard, je trouve. Moi, je trouve que ça aurait pu les mettre un peu plus tôt. Parce que c'est vrai que pour certains, ben, moi qui ai déjà visité la map au moins une dizaine ou même voire une vingtaine de fois sans préoccuper de ce qui pouvait arriver aux alentours ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'à l'époque quand tu disais bon bah il y avait une disque dure machin, puis bah maintenant c'est soit par disquette, soit c'est par personne, donc c'est un peu compliqué en fait du système qui porte en fait, donc c'est dommage quoi. Alors, à l'époque c'était vraiment je sais pas, pour les anciens Fallout c'était vraiment quelque chose d'être un chevalier ou un conscrit ou un truc comme ça pour aider la confrérie. Maintenant t'as plus envie de te balader tout seul que de vouloir Je crois que je comprends. Le truc marrant avec les données, c'est que vous ne pouvez pas savoir si elles sont vraies ou pas, à moins de les collecter vous-même. Honnêtement, je travaillais justement sur le cryptage de mon terminal pour ce genre de situation. Comme ça, si quelqu'un y accède sans autorisation, il ne trouve que des informations. Mais il ne le sait pas. Je n'ai pas encore fini. Mais vous pouvez utiliser les fausses données que j'ai créées. C'est clairement noté dans les fichiers, alors sélectionnez le bon. On parle des pillards, là. Ça serait terrible s'ils avaient un avantage sur nous. Encore pire si le chevalier découvrait que c'est à cause de moi. Oh bah non, je vais pas te faire une crasse, t'inquiète pas. Aucun problème, je suis là. Alors, le petit dossier... Alors attendez, parce que là, je suis un peu paumé.
Ah, c'est les confréries par chemin, peut-être. Non, c'est pas ça. Ah là, c'est quoi? Le truc c'est qu'il y a beaucoup de trucs en fait. Salutations, conscrits. Impeccable. Impeccable. Merde, ça a pas marché. Je comprends pas. Charger le lobant, c'est à...